Je m'appelle Clara Benfatma, je suis étudiante en DECESF et je suis originaire de Gap dans les Hautes-Alpes. Je m'appelle Dylan Furussi, je suis étudiant en DECESF, je suis originaire de Saint-Raphaël et je suis à la Candel pour mes études. Alors j'ai choisi cette filière parce que c'est un diplôme du travail social et que c'est le diplôme le plus complet dans le travail social. Je connais des professionnels sur le terrain qui sont CESF et qui ont pu m'expliquer les différences entre ce diplôme et les autres du travail social. Et ensuite, dans mon parcours, j'aimerais devenir directeur d'établissement et je pense que c'est important d'avoir une expérience de terrain avant de prendre des responsabilités. Donc j'ai choisi la Candel parce que c'est tout simplement le lycée qui a la meilleure réputation et que lors de la journée porte ouverte, j'ai eu une super entente avec les deux professeurs qui m'ont présenté cette super formation. Les professionnels que j'ai pu rencontrer ont été formés à la Candel et m'ont dit que du bien. Et lors des journées portes ouvertes, j'ai pu rencontrer les professeurs qui m'ont mis en confiance et qui m'ont conforté dans l'idée de venir ici. J'ai fait un stage de 16 semaines en DECESF, donc je le fais dans le centre d'hébergement d'urgence qui se situe dans le 14e arrondissement. Et j'ai pu choisir mon stage grâce aux deux premiers stages que j'ai réalisés qui m'ont permis de cibler les actions qui m'intéressaient réellement, à savoir celle du logement. J'ai fait mes 16 semaines de stage au GCS Galilée qui propose de l'intermédiation locative avec un accompagnement global, social lié au logement. Ce stage est différent des deux premiers qu'on peut avoir en BTS parce qu'on crée notre posture professionnelle et en plus de ça, on a beaucoup plus de responsabilités, on est considéré comme un professionnel et non plus comme un stagiaire étudiant. Personnellement, je conseillerais à quelqu'un qui veut faire le DECESF d'être motivé et d'être sûr de sa motivation parce que c'est une année qui est très complexe, qui est très riche et où il y a de nombreux écrits à rendre. Je vous conseillerais surtout d'être très assidu car c'est une formation qui demande beaucoup de rigueur et d'investissement et je vous demanderai aussi d'avoir énormément d'organisation afin de ne pas vous perdre et de ne pas oublier vos objectifs.